fait. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du prochain invité en lisant votre tasse, Olivier? Écoutez, de la semaine prochaine ou... Non, de là, avec une, il a une... Dominique... Je ne sais pas si ça se dit Walter ou Walter, parce que là, le mar est un peu trouble. Dominique Walter qui nous rejoint avec sa guitare, parce que... Bonjour Dominique. Bonjour. Et oui, je suis dans le mar de café, moi, alors. L'autre chose. Bien, on voulait vous accueillir un peu plus longtemps avec Claude, parce que vous êtes deux, Claude Zanoni qui est avec nous toutes les semaines, vous le savez, deux Vosgiens, fiers de l'être, connus par les Vosgiens et les Vosgiennes. Vous avez même chanté les Vosgiennes, Dominique. Ah non, pas les Vosgiennes, les Vosges. Que les Vosgiennes sont belles. Ça, c'est un buzz sur Internet, d'accord. Ça, c'est clair. Dès qu'on fait, on peut faire plein de chansons d'amour, des chansons sur la nature, ça marche. Mais alors, une petite chanson sur grivoise, alors là, ça cartonne. Voilà comment nous sommes dans le fond de nous-mêmes. À ne pas confondre avec je ne sais quelle Canadienne qui avait chanté La Vosgienne. En l'occurrence, Fabienne Thibault qui a chanté La Vosgienne, mais avec la bande blanche sur le dos, le ruminant. Celle sur la chaîne. Oui, voilà. Alors, on voit là une très, très belle sur la chemise de Claude. 1982, premier texte enregistré, déposé. Donc, ça fait voilà, temps c'est ça. Vous, ça fait déjà un bail que je suis à la SACEM. Ouais. Et auteur-compositeur depuis tout ce temps-là, oui. Mmh. Avec une formation de Bâle, mmh, avec mon ami Alberto Garcia, ouais, que je salue. Et avec lequel j'ai appris à jouer un petit peu de tous les instruments et à faire de l'orchestration après. Ce qui, mmh, m'a permis aujourd'hui d'être tout seul et de faire tout. Voilà. Et alors, simplement. Vous avez tellement bien réussi, vous en êtes à 9 CD. Moi, j'ai compté 9 CD. Voilà, j'ai une centaine de chansons qui sont éditées. Et encore une bonne centaine qui sont à venir. Donc, j'attends mes 95 ans. J'ai encore un peu. J'ai envie de dire, quand on voit Claude et sa bonne mine et cette carrière de Claude Vanoni, vous pouvez vous dire que vous avez le temps, hein, généralement, hein, les gars. Il est parti pour. Je lui fais confiance. Merci, Claude. On s'amuse bien tous les deux. Deux bons compères. Peut-être un point commun entre vous deux, c'est que vous ne vous êtes pas dit du jour au lendemain, hop, je me lance dans la chanson, je vais faire des disques et des spectacles. C'est venu petit à petit, hein, bien je crois. Sûr. Ben oui, bien sûr. Et puis, en ce qui me concerne, les portes les plus petites ont commencé, puis elles s'ouvrent de plus en plus grandes jusqu'à l'Olympia, grâce à Claude Vanoni. Mmh. Il faut se faire confiance. Ah oui, c'est important. Je pense que l'intuition est à la base de ça. Et après, la confiance en soi, c'est ce qui est primordial pour réussir dans la vie. Ça, c'est... Ouais. Et puis j'ai l'impression que le climat des Vosges, ça conserve. Hein. Ouais, c'est pour ça que chez nous, il y a très peu de lifting en montagne, dans les Vosges et en Ardennes. C'est que quand des fois, ça pince comme ça, tu sais, ça te tire comme ça. Et tu n'as pas du tout de problème pour les rides. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit break? Allez, on y va, c'est une parti, petite avec pause, plaisir. Avec une chanson que vous allez entendre grâce à Dominique Walter qui nous fait l'amitié de venir voir son ami Claude. On en a tous profité. Merci Claude de faire jouer votre carnet d'adresse. Qu'est-ce que vous nous chantez, Dominique? Les Vosges, tout simplement, ça va de soi, n'est-ce Chauveur, pas hein. C'est la valse du temps qui rend l'herbe si verte quand arrive le printemps sur les vallées ouvertes. Ne freinez pas l'envie de courir les chemins où la nature repose. Les couleurs une à une viennent égayer la terre, se reflètent dans l'eau des lacs et des rivières, ce pays en osmose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles. Les dieux l'ont trop aimée, bien usée peut-être. D'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelle. C'est la valse du temps qui parfois est cruelle. Elle enlève la vie en la rendant plus belle. C'est la dernière fête avant le grand sommeil. Il faut prendre la pause. De partout à la fois se réveillent les couleurs. L'automne rougit, jaunit. Mais l'automne se meurt. Ce spectacle grandiose, c'est les Vosges. C'est la fin de l'hiver dans les tourbillons blancs, sous les gros pulls verts, on regarde en flânant cette nature pétrifiée par la neige et le gel et la bise qui ose. On ne voit plus de terre sur cette montagne blanche, aux sapins plus de verre, mais des branches qui penchent, tout un monde se repose dans les Vosges.
Merci. Merci Dominique Walter. Vous allez rester avec nous. Tiens, Dominique, vous restez parce que je voudrais faire une petite surprise à celles et ceux qui nous regardent. Vous allez voir que Claude Vanoni manipule très bien son instrument. Et pour faire monter l'audience, je vous précise même qu'il le montrera dans 10 minutes. On est comme ça. Bon, je prends une pelle et je creuse, mesdames, messieurs, parce que je vous ai dit que Claude allait vous montrer son instrument. Est-ce que je peux enlever le chapeau, Claude? Regardez, oui. Regardez, caméra, attention, hop. C'est un harmonica. C'est un harmonica. Magnifique harmonica. Vous pouvez peut-être... Monte les doigts un peu, Claude. Voilà, le voilà, vous voyez. C'est magnifique. Il y a une petite tirette ici. Mmh. C'est ouais. Ça. C'est une belle pièce. Est-ce qu'on ne ferait pas, Claude, et on va se quitter là-dessus, un petit bœuf. Un bœuf. Voilà, avec c'est Dominique rôti. Walter, on peut vous interpréter le thème de la musique du film Les Grandes Gueules. Ah, mythique film, bien, le western vosgien. Exactement. Vous vous souvenez, Jean-Didier? Tout à fait, oui. Lino. Plaisir. Musique avec nos Vosgiens. Passez un bon dimanche sur France 3.